ferme ici temporairement. Voilà. Alors, allons-y. Alors, on va poser donc le Boeing Stand. On va poser la table de craft. On va poser le four. On va poser l'enclume. Et on va poser la table d'enchantement. Ça a commencé à spawner. Que je dise pas de bêtises. On va poser également nos coffres dans lequel on va mettre tout ce dont on n'a pas besoin pour le moment. Et on récupérera tout ça plus tard. Ok. Potion de résistance au feu. Et on y va pour le farming. Ok. 6 niveaux déjà. Ah, ils sont là. Et en fait, on va se faire tous nos enchantements ici, essentiellement. Donc, on va farmer en fait le ce spawner. Donc, pour les blazes, et de toute façon, vu qu'on a des slimes, en fait, tant qu'on a des slimes, on va rester ici pour spawner les, enfin pour faire ouais spawner les. Les blaze. Attendez, excusez-moi, mais de toute façon, tant qu'il spawn. Voilà. Donc, tant qu'on aura des potions de résistance au feu et donc des slime balls pour en faire, on va pouvoir. Voilà. Et pourquoi j'avais dit le. Je sais plus pourquoi j'avais dit pour le four. Le four, j'avais dit que ça servirait à quelque chose, mais je sais plus quoi. Dans ma tête, j'avais besoin d'un four, je sais plus pourquoi. Ça devait pas être important. Attendez. Ok, excusez-moi pour cette petite interruption. Et pareil, hein, c'est tant qu'aussi qu'on a de la bouffe, parce que c'est vrai que la bouffe, voilà. En soi, si on a un wither squelette qui spawn, ça m'arrangerait. Plus qu'autre chose. Merde. Bon bah, je me suis planté sur celle-là. À défaut de pouvoir farmer autre chose, on va farmer... Soit je pourrais aussi me faire un grinder, mais un grinder à bloc, j'aime pas ça. Je préfère utiliser le grinder à lave, et malheureusement les blazes, excusez-moi, sont immunisés contre la lave. Donc mauvaise idée. Bon, ils vont se calmer sur les tranchants là, parce que là ouais, quoi qu'en fait, mon épée, comme ça je pourrais l'enchanter tranchant si je veux. Aussi falloir que j'arrête de bouger, parce que ça doit consommer ma barre de faim.
Ok, j'arrive à la moitié de ma première résistance au feu. J'ai 7 blaze rods. De toute façon, on coupera. Hein. On coupera. Enfin, pas la vidéo, mais on coupera les séances. Hein, vous en faites pas. Même à la fin de cette protection au feu-là, je compte faire autre chose. Voilà, attendez. Hop, on va quand même commencer à fusionner tant qu'on y est. Deux tranches en deux. Là j'ai quoi? J'ai une efficacité 1. Ouais. Ça sera acheté. Donc là j'ai un tranche en deux. Là encore un tranche en deux. Impuissance, ouais, si tu veux. Efficacité. Non, on va utiliser nos trois potions. On refaire dans la foulée en fait. Ils mettront moins d'une minute à se faire évidemment. Quand j'ingurgiterai la dernière potion, j'en mettrai en production. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai qu'une seule table de craft, enfin d'enchantement. Si on saute, ça pourrait être ennuyeux. J'en aimerais une à ma base et une ici, ce serait cool. J'ai de quoi me faire une deuxième, mais le problème c'est qu'après je n'aurai plus de diamants. Là qu'il me faut davantage de diamants. Voilà un petit peu à quoi ça se résume pour le moment. Ouais, logique. J'ai pas d'autre épée. Si je me fais une autre épée, je la mets avec le tranchant maximum que je peux atteindre. Comme ça, ce sera fait. Non, niveau 4, je pourrais pas fusionner ces deux-là. Par contre, j'ai vu que j'avais de l'efficacité enchantée. J'ai toujours du tranchant, sinon. Non, c'est pas là, c'est à côté. Et je peux également enchanter. Un bouquin, je sais pas ce que j'ai eu, tranchant 1, ouais, et puis tranchant 1, ok, excusez-moi, voilà, oula, hé les mecs, ah. La protection au plus, bien sûr. Et je me promène dans le chez les Blaze comme ça avec pas de soucis, hein, pas de...
Oh non, ils ont spawné à l'extérieur. Ah non, si vous commencez comme ça. Juste histoire que on soit pas embêté avec un spawn mais les gars reviens toi. Non, pas de blaze rod. Allez. Oh, l'autre il me pousse. Eh oh. Tu pousses. Bon. Ah oh, mais c'est pas possible. Ils attendent de faire des dégâts de... des dégâts au corps à corps. Bon, 8 niveaux. Ça donne qu'on peut avoir... Non. Nos deux tranchants. Donc on va avoir tranchant 3 également. Une efficacité 1. Puissance, ici on a une efficacité, la projeté protection, hop, on va le faire. C'est bizarre, j'ai dû perdre une fiole. Je suis censé en avoir 3. Mais bon. Est-ce que je peux encore... je peux plus rien fusionner. Si. Si, je peux fusionner encore... non, c'est à côté. Les deux efficacités. Ce qui donne que quand on aura... Excusez-moi, attendez. Hop. Voilà. Quand on aura encore 5 niveaux, on pourra avoir une efficacité 3. C'est loin de l'efficacité 5, mais bon. Bon, en attendant, on continue à enchanter ce qu'on peut. Hein. Ah, une protection 1, quand même. Il était temps, ça, la protection. Ok, protection 2, c'est cool. Encore un tranchant. Ok, bientôt plus d'épée en fer non plus. Par contre, au niveau des blaze rods, ça drop. Hein. Ça drop. Allez, hop.
Bah alors, vous spawnez plus 3 par 3? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit, oh, celui-là. Tu m'as pris pour un copain ou quoi? référence à un ami. Collabo, tu m'as pris pour un ami ou quoi? J'ai vu qu'il y avait des tranches. Donc la référence, hein, c'était simplement si vous avez vu ma vidéo sur la Japan Expo 2013. Ah oui, normalement, quand vous aurez ces épisodes, normalement, j'aurai été à la Japan Expo 2014, je pense. Normalement, alors, vous le savez certainement, hein, vous l'aurez su avant de regarder cette vidéo, normalement, c'est prévu que j'y aille. Mais au moment, en fait, où je tente cette vidéo, je n'y suis pas encore allé. Normalement, j'y vais. Sinon, bah, vous avez certainement eu un contre-ordre avant. Précédemment. Pas avec niveau 3. Bon, ok. Why not? Sans doute. J'étais sûr que ça allait arriver. Allez, on va faire comme on a dit. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. C'est ça qui me manquait dans le désert, pas d'eau. Bon. C'est pourtant logique en plus. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Dans le désert, pas d'eau, pas de potion. C'est logique. Par contre, niveau enchant, on met 3 chances sur l'intérieur, c'est ça, l'efficacité 3, ça j'en veux. De nouveau, on va mettre plus, allez. Allez, encore un blaze et je peux refaire une fusion. Où t'es? Où blaze? Où t'es? Où t'es? Blaze? Où t'es? Bon. Aura assez duré. On va refermer ça. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Allez, ouais, bon, tant pis.
Ok, j'ai plus de futal. Bah, plus de futal. J'ai que ça, hein, j'ai que du protection là. Ah oui, non, il était protection 2, mon ancien futal. Allez, on va juste se faire cette dernière séance. Enfin, cette dernière vague là. Donc, je disais, quand je disais Collabo, tu m'as pris pour un ami, c'était en référence à un cosplayer qui s'était déguisé en visiteur du futur et qui m'avait bien fait marrer parce que voilà, il imitait trop bien le visiteur du futur, enfin il imitait assez bien le visiteur du futur. Et puis voilà. Allez! On va sortir de cet endroit maudit. Il me reste... j'aurais dû reprendre un petit... quelque chose. Je vais juste reprendre quelque chose dans le coffre. Quelque chose d'essentiel. C'est ceci. On va en prendre une vingtaine, je pense que ça devrait aller. Un peu de cailloux peut-être, j'en ai sur moi, c'est bon. Et des torches, j'en ai. Ça c'est tout. D'accord, ok. T'es comme ça toi. D'accord, il était glitché en fait. Allez. Ah non, il est passé de l'autre côté du portail. Ou pas. Bon. Ok, flotte. Flotte, nickel. Ok. Ce qu'il va me falloir, c'est plusieurs choses. Premièrement, qu'on soit un abri un peu plus décent ici. Allez. Hop. Crafting table. Premièrement. Ça là, la crafting table, on va se faire un petit four. Ok, avec les planches qui restent, on va se faire au moins une pelle. En faire parce qu'on est comme ça, nous. Alors, on va juste se faire un mur de deux. Déjà les mobs ici, s'ils veulent arriver là, on va devoir en vouloir. Hein.
chez moi, ma bouffe, elle descend beaucoup plus vite d'un seul coup. D'habitude, elle descend très peu. Et puis là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle décide de se dire, YOLO, j'ai pas descendu depuis un bout de temps. Bon, je me fais vraiment un abri, voilà, très 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 rapidement. Voilà, à chaque fois, on cassera un bout de ça pour se mettre à l'abri. Allez, alors, évidemment. Voilà. Où en est le soleil ici? Il est à midi. Ok. Bon. Eh ben on va rester un petit peu dans ce désert. Hein. Oh, il fait jour, c'est bête de. Moi je vous propose de farmer au moins un petit peu de sable. On va se mettre. Comment ? On va essayer d'aplanir le terrain au maximum pour ensuite farmer les Endermen. Je vous rappelle que c'est ce pourquoi à la base je voulais un désert quelque part. Donc on va aplanir un petit peu le terrain. Pas grand chose hein, mais... vous voyez que c'est quand même assez plat, mais bon voilà, pas assez à mon goût, surtout ici quoi, c'est pour farmer les Endermen hein, c'est pas pour, pour autre chose. Oh là là, ici c'est une belle étendue pour farmer l'Enderman, c'est pas mal ici. Bon, malheureusement il y aura les autres mobs avec hein, mais bon, au moins chez la bouffe la merde. Bon, d'accord, ok, je viens de voir un truc. Ouais, voilà, allez, 3, de quoi se faire 3 potions supplémentaires. De toute façon, tant qu'on aura toujours nos stacks de... on remontera... Je vais me faire un raccourci ici, parce que... Ok. Une tête, ok. Bon, alors ça c'est pas malin de ma part, mais c'est vite très ennuyeux. Enfin, en quelques temps. Allez. Alors on a besoin d'une Netherwart.
De ceci, de Live Wad et de Redstone. Ok. Petit craft, hop, hop, une mama cream. On s'en aurait pu en faire deux, mais ça ne fait rien. Dans le bookstorm, on a une frappe seule. Ah oui, c'est parce que d'accord.